Spontané ou organisé? Oula, bah là c'est facile, non? Spontané, hein? Bon, les deux. Ouais, les deux. Spontané et organisé. Question 2. Attends, c'est moi qui prends. Vas-y. Attends, faut choisir. Alors. Comment définiriez-vous votre style? Eh ben, on se définit comme ayant un style rock, même si voilà, chacun voit le rock un peu à sa manière, mais on va dire on s'inspire du rock qui sort des conventions un peu. Je sais pas, on aime bien essayer de casser les codes des trucs déjà existants. Moi, je me définirais plus par un cirque qui se crée en fonction de son thème. C'est un peu ça qui nous définit, qui définit notre style. C'est-à-dire qu'il n'a finalement pas de style autre que le thème qu'il s'est choisi par le spectacle. Après, il reste toujours le côté spontané, justement, que là, on cherche à donner en permanence dans notre technique de cirque l'impression qu'on est comme à la maison, que c'est quelque chose de très naturel et humain et pas du tout une grande acrobatie. Et ça et le travail sur l'énergie correspond à peu près à tous nos spectacles. Après, pour chaque spectacle, on incite toute une sorte de recherche technique en fonction du thème qu'on s'est donné. Ouais, après, on est quand même, on se caractérise quand même pas mal par une énergie communicante, invasive, jusqu'au boutiste. Même si pour cette créa-là, on va vers du recentrage quand même aussi et du... Une énergie plus contenue. Mais en gros, travail sur l'énergie à fond. Tu tires, je tire. Je tire. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'esthétique de la musicalité rock? En plein de trucs. Ah bah là, mais là, on va parler plutôt de notre précédent spectacle. Mais par exemple, on a créé tout un moment de jonglerie en s'inspirant du batteur de Santana en plein solo à Woodstock. Donc en fait, le mec est en mode complètement à fond, complètement en transe, il perd ses baguettes, il s'en fout, il en reprend d'autres, et c'est comme s'il n'y avait plus rien qui existait en dehors de lui. Et on a cherché à recréer exactement la même énergie avec Angelos, des messieurs un fly caisse, pas du tout dans le truc de « Ah, je vais faire du rythme comme un batteur », mais vraiment dans cette énergie de « Je m'en fous, je balance des massues, j'en rattrape certaines », et très très exalté, très spontané, et ouais. Un côté très « Je m'en fous en fait ». Si ça tombe, si ça rate, on s'en fout. Ouais, c'est ça, pour traduire là le batteur Santana, il y a vraiment ce truc où il joue de la batterie, il joue un morceau, et en fait tout d'un coup c'est comme si sa propre énergie dépassait tout ce qu'il est en train de faire, et même le son, c'est tout d'un coup il y a une énergie qui est là, qui est hyper communicante. On a envie d'être lui un peu et de vivre ce qu'il est en train de vivre, et c'est ça, ouais, qu'on aime bien faire sentir avec le cirque, cette énergie complètement trans, complètement enflammée, en dehors du réel. Ouais. Question suivante. Ah ouais. Ah, ça c'est facile. Pourquoi une création sous chapiteau? Vas-y. Parce que on voulait travailler sur le circulaire. Donc on voulait créer tout un spectacle avec un collectif d'artistes qui s'inspire des cycles du circulaire, des rondes. Donc en fait, c'était obligé de le faire dans un endroit circulaire. On voulait travailler sur le concentrique, avoir une scène au concentrique, que les gens se sentent englobés, qu'on puisse aller derrière eux, autour d'eux,
vraiment qu'il y ait ce truc des cercles dans des cercles dans des cercles dans des cercles, et ben on pouvait pas faire ça dans une salle en frontale. Ça, c'est ouais. Un des côtés. Et après, il y a aussi plein d'autres côtés. Ouais, après, on est passionné par le cirque. Et le cirque se fait sous chapiteau. On pratique plein de techniques différentes, notamment du trapèze-ballon. Du coup, c'est des agrès qui existent. Enfin, l'endroit où ils existent le mieux, c'est sous un chapiteau. Et puis, le rapport aussi proximité avec le public, et qui est hyper... Intimité, proximité, qui est hyper chouette sous chap. Et puis aussi, le côté, voilà, une nouvelle vie en caravane... Un espèce de petit village itinérant, c'est quand même assez magique. Assez dingue d'arriver dans un endroit avec notre salle de spectacle à nous et de la rembailler et de repartir quoi. C'est un beau défi. Voilà. Balancer les barrières mentales ou les gestes barrières. Les deux. Barrières. Bah c'est un peu la même chose non? Balancer les barrières mentales ou les gestes barrières. Ça dépend de ce qu'on pense, en fait. Mais ouais, balancer les barrières, quoi, voilà, c'est tout. Mais ouais, balancer les barrières, ça suffit. Ouais, très bien. C'est très bien. Essayez un maximum de balancer les barrières. Qu'est-ce que Foutoir Céleste? Foutoir Céleste, c'est un spectacle sous chapiteau avec 7 artistes qui viennent d'univers différents. Il y a 5 artistes de cirque et une danseuse et un acrobate sur BMX qui vient plutôt du milieu du BMX. Et ce spectacle va être inspiré par un mythe amérindien qui est le mythe du coyote. Et en fait, le coyote, c'est celui qui apparaît dans notre vie pour nous foutre des bâtons dans les roues et foutre le bordel dans notre vie pour retrouver le droit chemin. Sachant que le droit chemin... Pour les Amérindiens, n'a rien à voir avec le droit chemin pour nous occidentaux. C'est-à-dire, c'est pas se remettre dans une norme et ne surtout pas déborder et pas dépasser, mais c'est se remettre en lien avec ce qui nous fait vibrer et avoir l'audace d'aller là où on va vibrer et là où on a envie de vibrer. Et du coup, ça va être le fond philosophique de ce foutoir céleste, ce mélange de foutoir et de céleste, on vient foutre le bordel pour retrouver quelque chose de finalement un petit peu plus aérien et une certaine envolée. On va travailler sur la transe, on travaille beaucoup sur la transe dans tout notre cirque. Va y avoir des grandes processions acrobatiques. Voilà, ça va être une célébration de ce coyote. Ça va, j'en dis trop. Non, c'est très bien. Patti Smith ou Jim Morrison? Ça, c'est une question difficile. Patti Smith. Ouais. Bah, je sais pas, moi, en tout cas. Ouais. Bah, les deux. Ils sont bien, les deux. Mais les deux, ce sont... Enfin, Patti Smith s'est beaucoup inspiré de Jim Morrison, donc je pense que sans Jim Morrison, Patti Smith ne serait pas Patti Smith. C'est ça, ouais. Donc on peut pas choisir. Puis Jim Morrison, il avait une âme d'Indien quand même. Ouais, donc il y a un lien aussi. Et ouais. Et puis les deux, ils font une musique qui est juste complètement ouf. Et les deux nous inspirent à différents niveaux. Ouais. Allez, vas-y, tire. Rave Party ou Fest Noz? Bah pareil, les deux. C'est la même chose, non? En fait, c'est juste que c'est une différente façon de l'aborder, mais finalement, dans le Fest Noz, on est plein et on danse tous ensemble. Et jusqu'à arriver à des états de transe commune et des choses qui durent, que presque on peut finir par s'ennuyer, puis finalement, on trouve un nouveau souffle et encore un nouveau souffle et un nouveau souffle. Dans une rave party, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas la même musique. Et encore qu'elle a parfois un vrai lien, je pense, de fond. Du coup, nous, en tout cas, pour s'inspirer, nos sources d'inspiration pour Foutoir Céleste se trouvent autant dans les deux et on ne choisira pas entre les deux. Et il n'y a plus de papier. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai ?